C'est ce mercredi, il s'annonce comme un vivier important d'idées novatrices au Bénin. On s'achemine vers les paiements digitaux au Bénin. Des financiers reçoivent en ce moment des rudiments en vue de cette nouvelle approche. Ils sont en formation à Cotonou. L'autorité départementale des enseignements secondaires du Borgou prend des mesures drastiques contre des enseignants. 24 d'entre eux sont sanctionnés. La mesure répond à un souci de qualité de l'enseignement. Voilà donc pour les titres. Bonjour et bienvenue. C'est l'un des projets phares inscrits au programme d'action du gouvernement, la création d'une cité de l'innovation pour la promotion de l'excellence africaine à travers le potentiel béninois. Ça y est, il a été officiellement lancé hier mercredi à la faveur d'une cérémonie de lancement à laquelle plusieurs membres du gouvernement ont participé. Reportage Jean Mumbo, Calvador Awano. C'est notre pari, mais c'est un pari... Semen City, c'est l'un des grands projets phares du programme d'action du gouvernement. Il entend créer un pont entre capital humain de qualité, entrepreneuriat, formation, afin de créer d'ici 2030 près de 200 000 emplois, dont le tiers seront des auto-emplois. Avec Semen City, nous allons donner à la jeunesse les moyens pour devenir acteurs de l'économie du pays et créer de la valeur. Il ne s'agit là ni plus ni moins que de réparer des incohérences que nous avons constatées jusque-là. Nous avons une jeunesse active, une population active jeune très importante, un écosystème de start-up très dynamique, sans oublier la détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre pour créer les conditions d'une relance massive et durable de l'économie. Enfin, nous devons rappeler ici que par le passé, nous avions déjà cette réputation. Le Bénin était le quartier latin de l'Afrique. Chaque détail du projet Semen City a été minutieusement pensé. Ce septième axe du troisième pilier du PAG Bénin révélé porte un intérêt capital pour le ministère du cadre de vie et du développement durable. L'ambition de la CIS à court terme est de transformer Semen Podi en une ville durable et intelligente, mais conçue selon les plus hauts standards internationaux. Plus qu'un campus ou une zone économique, vous vous rendrez compte que nous avons fait le choix audacieux de créer la première ville durable du Bénin. Notre but est de parvenir à une intégration parfaite entre la nature béninoise, la culture africaine, l'architecture et la technologie durable et connectée. Les dés sont ainsi jetés, la mobilisation des partenaires, tant nationaux qu'internationaux, fortement sollicités. Impressionnant de voir un projet comme ça au Bénin. J'avoue qu'on n'imagine pas le Bénin sur ça, et c'est en ça déjà que c'est impressionnant, parce que quelque part le label est assez marquant, le Bénin révélé. C'est comme s'il y a un renouveau du Bénin. Sur des questions qui sont des questions de pointe, en fait, sur les technologies, sur une nouvelle ville, sur une nouvelle manière d'appréhender l'éducation. Ce projet de construction d'une cité de l'innovation et du savoir, c'est un projet qui certainement permettra de propulser le Bénin très loin, dans les firmaments internationaux. Non seulement que cela aura des retombées économiques très importantes sur le développement du Bénin, mais également sur notre réputation du quartier latin de l'Afrique, c'est-à-dire le berceau même du savoir en Afrique. Le bailleur de fonds que je suis, en tant qu'administrateur de la Banque islamique de développement, je peux vous garantir que nous sommes partie prenante. Nous soutenons fermement ce projet. Pourquoi ? C'est un cas d'école. Et lorsque la première mouture du projet a été envoyée dans notre banque, à la Banque islamique de développement, croyez-moi qu'il y a un engouement extraordinaire de la haute direction autour de ce projet. C'est en cela qu'il faut donc rendre hommage au président Talon, qui a compris que le Bénin a des atouts, et que ces atouts, il faut maintenant les transformer pour impulser de manière durable l'économie nationale. Donc cet enthousiasme permet maintenant au Bénin d'espérer des ressources énormes à partir du groupe de la Banque islamique de développement pour qu'on réussisse ce cas d'école et que les autres pays membres puissent réellement en profiter et qu'on fasse une dissémination la création des structures comme la cité de l'économie du savoir que le Bénin, à travers le président Talon,
veut montrer au monde. Le gouvernement entend ainsi bâtir, de concert avec le secteur privé, un nouveau modèle de croissance inclusive et durable, fondé sur l'innovation Made in Africa. Voilà une cité de l'innovation au Bénin, ça y est, nous y sommes. Les fondements de cette cité-là, SME City, viennent d'être posés. Il entre bientôt ce projet dans sa phase active et des appels à projets entrant dans le cadre de sa réalisation ont été lancés. Plusieurs personnalités du monde scientifique ont répondu présent à cet appel. C'était dans les locaux de l'ex-primature. On retrouve à nouveau Jérôme Mbo et Calvador Avanon pour le point. Projet phare inscrit au programme d'action du gouvernement, SME City se veut être une innovation des temps modernes pour construire aujourd'hui les succès de demain. Des constats peu reluisants sont à l'origine de cette initiative du gouvernement de Patrice Talon. La recherche au Bénin est sous-exploitée ou mal orientée. Les diplômes ne correspondent pas toujours aux besoins de l'économie réelle. Ils ne servent pas les secteurs porteurs de l'économie. Les porteurs de projets innovants, les entrepreneurs sont souvent peu ou pas accompagnés du tout. Le Bénin dispose cependant de tous les atouts pour se positionner en plateforme éducative majeure pour l'Afrique. Une ambition déclinée en trois volets dont la finalité est de développer la ville de Semekoji à 10 km de la frontière du Nigeria, de protéger ses ressources naturelles, d'assurer la formation des jeunes, la recherche, la communauté, l'incubation et le capital humain. Le choix de SME Kodji n'est pas fait au hasard. SME, parce que nous avons trouvé en cet endroit un lieu stratégique, un lieu qui nous permet donc d'être presque à la frontière de l'Afrique francophone et de l'Afrique anglophone, un lieu aussi qui offre des atouts naturels absolument merveilleux d'un point de vue qualité de vie, mais aussi au niveau de la recherche. Nous avons une forêt classée, nous avons des zones humides qui peuvent être réhabilitées. Donc il y a tout un environnement qui permettrait aux habitants de la future SME City de pouvoir s'épanouir tout en aussi contribuant au développement d'une société inclusive, durable à travers leurs projets. D'ici 2021, c'est une communauté dynamique qui, je l'espère, pourra avoir un impact non seulement au Bénin, mais dans la sous-région et pourquoi pas au niveau international. Les acteurs de l'enseignement, de la recherche, de l'entrepreneuriat et les promoteurs de projets de développement inclusif et durable peuvent désormais consulter le www.smcity.com pour demander l'appel à projet. Et on reste toujours dans cet univers de l'innovation, du savoir et surtout de la science pour dire que hier mercredi, on a procédé à l'ouverture de l'édition 2017 de la Journée scientifique de l'Afrique. À l'occasion, les chercheurs vont présenter les résultats de la recherche scientifique et de l'innovation de leurs différentes entités. Huguette Mondello pour plus de détails. La célébration de la Journée scientifique de l'Afrique est une occasion de fêter la science, la recherche scientifique et l'innovation en Afrique. La Journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique a été instituée par l'ex-organisation de l'unité africaine OUA, aujourd'hui connue sous le nom de l'Union africaine UIA. Le but visé par l'instauration de cette journée est d'encourager les États africains à identifier les voies et moyens pour donner à la recherche scientifique toute la place qui lui revient en raison du rôle important que doit jouer la science dans le développement de l'Afrique. Cette journée offre aux chercheurs, enseignants, innovateurs, doctorants et décideurs politiques un cadre d'échange et de discussion sur les résultats de la recherche scientifique et de l'innovation technologique dans tous les domaines de la science. La mise en œuvre des différents projets et programmes de recherche inscrits dans les programmes de travail annuel du Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation apporte sans nul doute des solutions aux problèmes auxquels le Bénin fait face dans mes domaines pour l'amélioration des conditions de vie des populations. En marge de ces assises, une exposition a démarré depuis le 26 juin et se poursuit jusqu'au 30 à l'Institut des sciences biomédicales appliquées à Cotonou.
Sur un autre registre à présent, l'atelier régional de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux, institution similaire à ICISIS, a ouvert ses travaux hier mercredi. 3 jours de renforcement de capacité des acteurs des conseils économiques et sociaux sur la protection sociale et l'anticipation des crises par le dialogue social. Malini Chibozo, Enoch Mpati et Brice Chibozo étaient à la cérémonie d'ouverture. On va voir le reportage. L'atelier régional qui s'ouvre ce jour nous offre l'occasion de maîtriser les outils du dialogue social en vue de la promotion des socles de protection sociale dans nos pays respectifs. C'est parti pour 3 jours d'intenses travaux pour ces membres issus de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, ICISIS. Une initiative qui vise à renforcer les capacités de ces acteurs afin qu'ils jouent pleinement leur rôle de conseiller. Cette rencontre de Cotonou se penche sur la question de la protection et du dialogue social, deux thèmes importants qui cadrent avec la politique de l'Organisation internationale du travail, OIT. Cette rencontre honore une fois encore l'Organisation internationale du travail car elle s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'agenda du travail décent de cette institution. Le souhait du Bureau international du travail est de vous voir développer une synergie cohérente pour la promotion effective des socles de protection sociale qui tiennent compte de l'environnement interne et externe de vos pays et permettent de faire reculer la misère. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a été rendu possible grâce à la détermination et la volonté du gouvernement béninois, celle de faire de la protection sociale une préoccupation majeure. Le président de la République a mesuré l'importance non seulement de votre atelier, mais surtout du sujet. Protection sociale, dialogue social. Le président de la République attend donc vos résolutions pour en tirer les leçons les plus pertinentes. Au terme des travaux, un rapport sera disponible pour servir de repère aux conseils économiques et sociaux ainsi qu'aux gouvernants des pays participants. Autre acteur, autre réalité, autres assises, les acteurs africains des changements climatiques, eux, tiennent le 9e forum Afrique Carbone à Cotonou, une rencontre de haut niveau entre les acteurs étatiques et non étatiques, parties prenantes au rôle des futurs marchés du carbone pour une action climatique accrue. Au menu des 3 jours d'échange, les mesures urgentes à prendre pour renforcer l'engagement climatique des pays africains. Ulvaeus Balogun. Quelle stratégie l'Afrique devra adopter pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national et comment mobiliser les ressources financières nécessaires à la lutte contre les effets néfastes du changement climatique? L'ambition est grande pour les pays africains qui s'attellent à faire avancer l'agenda climatique. Et le Forum Afrique Carbone qui se tient à Cotonou se veut donc le cadre de promotion d'une action climatique concertée. Le Forum Carbone a pour finalité de contribuer à l'amélioration du niveau de participation des pays africains à la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Les conséquences néfastes des changements climatiques vont peser sur les générations futures, particulièrement sur les populations pauvres et vulnérables. Et si notre action n'est pas immédiate, vigoureuse et inscrite dans la durée. L'enjeu de ces assises est donc de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour que la finance carbone devienne un véritable levier de développement pour l'Afrique. L'Afrique émet aujourd'hui environ 800 millions de tonnes de carbone par an, ce qui représente seulement 1,5% du total des émissions mondiales. L'on peut tenter de voir dans tout ceci une forme de paradoxe. La région émettant le moins, l'Afrique, joue un rôle de leadership dans le contrôle des émissions. Oui, il s'agit là d'une préoccupation légitime, mais au-delà du légitime, il y a le vital. Le Forum de Cotonou est donc une nouvelle étape pour définir des solutions innovantes pour une transition écologique vers les marchés du carbone.
Et on en vient maintenant à ce deadline. Si vous avez un véhicule à moteur, il vous reste encore 24 heures pour vous mettre à jour quant au paiement de la taxe sur véhicule à moteur. Si vous ne l'avez pas encore fait, le 30 juin, demain donc, reste l'échéance à ne pas dépasser. À compter du samedi 1er juillet, une phase de répression démarre pour les contrevenants. Je vous propose de suivre Dominique Atindopo, le receveur national des impôts, qui apporte ici plus de précisions au micro de nos reporters. William Aguiard et Wenceslas Aroyimont. La TVM, comme son nom l'indique, la taxe sur les véhicules à moteur, c'est une nouvelle taxe instituée par la loi de finances pour la gestion 2017. La date d'échéance qui était prévue par la loi au 31 mars passé a été ramenée au 30 juin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà de cette date, c'est-à-dire le 1er juillet qui vient, la phase de répression va commencer. Pendant cette période, nous ferons tout simplement des contrôles. En principe, ça devait être automatique, puisque la loi a prévu, et il y a un arrêté interministériel qui a été prévu à cet effet, que la visite technique soit subordonnée au paiement de cette taxe. Bon, néanmoins, à partir du 1er juillet, ça consistera à aller sur le terrain, à raisonner des véhicules et à vérifier s'ils ont réellement payé. Je voudrais dire à ceux-là qui ont déjà payé de se rapprocher des centres où ils avaient payé pour prendre le macaron. En principe, si présentant du livret avec la quittance, ils doivent pouvoir prendre le macaron. Alors, j'invite aussi ceux-là qui ont pris les macarons et qui ont mis ça dans leur livret de les mettre sur leur pare-brise parce que c'est une présomption de paiement. Je n'ai pas dit que c'est encore le paiement, c'est une présomption. On peut aussi aller au-delà et faire des contrôles approfondis parce qu'il n'est pas rare que des gens collent des choses, hein, des trucs fabriqués là sur le macaron pour tromper la vigilance des agents. Donc on peut aller, on peut raisonner même des véhicules et aller. La preuve de paiement, c'est la quittance dans le livret. On invite alors les retardataires de ne pas se faire prendre dans ce genre de contrôle parce que c'est un peu contraignant. Et toujours dans le monde des finances, le diagnostic des flux de paiement au Bénin fait l'objet d'une formation à l'intention des cadres financiers. Ils seront sensibilisés sur l'approche à adopter pour l'étude diagnostique des jeux de paiement. L'objectif est de recueillir leurs contributions pour la réussite de la transition vers les paiements digitaux, une option que fait désormais le Bénin. Cécile Rondé, Alexis Seguemont. Le programme Mobile Money for the Poor du PNUD accompagne les efforts du Bénin pour son enracinement dans la finance digitale. Agents et responsables de structures financières sont ici invités à identifier les différents flux de paiement et recueillir les priorités en vue d'une bonne marche de la transition de l'ancien système bancaire vers la finance numérique. L'étude diagnostique des flux de paiement nous permettra de définir un cadre cohérent d'intervention à travers la mise en place d'une stratégie de transition vers les paiements numériques. Vous comprenez donc que vos échanges revêtent un intérêt particulier. Ce programme mis en œuvre par l'Agence des Nations Unies pour l'investissement, UNCDF, vise à faciliter l'accès des plus pauvres au système financier en Afrique. Les opérations de finance digitale permettent aux plus pauvres, aux personnes habitant les zones les plus reculées, de transférer ou de recevoir à moins de coût des fonds de leurs proches pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Le défi qui nous attend est très stimulant. En exploitant tout le potentiel de paiement digital au Bénin, je reste convaincu que nous continuerons ensemble à poursuivre notre combat pour un accès plus équitable et égalitaire aux services financiers de base en utilisant les technologies nouvelles. L'étude diagnostique débute en juillet prochain. Les résultats qui seront présentés serviront de feuille de route dans la transformation des paiements cash.
On se rend à présent à Porto Novo, au Parlement, plus précisément un réseau engagé pour la cause de la paix au Bénin et au-delà de ses frontières y a vu le jour. Nom de baptême, Réseau international des parlementaires pour la paix en abrégé, AIPP Bénin. Guillaume Avienon pour les détails. Thomas Walsh, président international de la Fédération pour la paix universelle, invité au Parlement pour le lancement officiel du réseau international des parlementaires pour la paix, l'AIPP Bénin. Le caractère chômé de ce lundi en raison du Ramadan n'a pas empêché les parlementaires mais aussi les acteurs de la société civile du pays de se mobiliser pour le renforcement de la paix considérée comme un ingrédient indispensable à la survie de la démocratie dans nos États. Il est connu et reconnu que nous, Béninois, sommes très attachés à la paix. Mais la paix n'est jamais un acquis définitif. C'est une quête permanente qui doit être entretenue au quotidien. La paix doit être chaque jour recherchée. La paix doit être chaque jour défendue et protégée. Le réseau des parlementaires qui vient de se constituer voudrait alors devenir le bouclier du peuple contre tout acte attentatoire à la paix au Bénin, mais aussi au-delà de ses frontières. Considérant l'importance du rôle des parlementaires dans le maintien des relations pacifiques pour un monde plus fraternel, plus juste et meilleur pour les populations et les générations futures, nous, députés, membre du réseau international des parlementaires pour la paix, section Bénin, en abrégé AIPP Bénin, prenons l'engagement et la détermination de travailler avec tous les anciens parlementaires et les ambassadeurs pour la paix, de coopérer avec les différents réseaux parlementaires, les organisations nationales et internationales, de la société civile, ainsi que les parlementaires de l'Afrique et du monde œuvrant dans les 10 domaines. Face aux nombreuses menaces qui planent au quotidien sur la paix dans nos pays, terrorisme, différents frontaliers, changement climatique, exclusion, la mission de l'AIPP ne sera visiblement pas de tout repos, pensent de nombreux observateurs. Au plan politique, à présent, le président Patrice Talon et le PAG reçoivent du soutien et provient du creuset des jeunes engagés de l'ère culturelle Tchabet. Ses membres ont fait une déclaration à la presse hier mercredi. Suivez-en un extrait lu par Étienne Ayeni, leur porte-parole. Notre creuset veut désormais mettre fin à la prédation. Nous serons debout à chaque instant pour barrer la route à toutes les actions de récupération. Ce n'est pas un combat de légitimité, mais une exigence de vérité. C'est pourquoi, ici et maintenant, nous rassurons Monsieur le Président de la République du soutien indéfectible des filles et fils de notre région quant à la réussite de son programme d'action. Les partisans de l'intoxication devrait désormais en prendre de la graine. Nous n'allons plus permettre aux coutumiers du marchandage politique de venir berner nos vaillantes populations par des opérations de charme opportunistes. Nous invitons la communauté Tchabé à la vigilance puisqu'elle n'est pas un bétail électoral qu'on vient abreuver à volonté. Désormais, notre creuset sera à l'avant-garde et jouera pleinement son rôle de soutien de première heure au chef de l'État et au programme d'action du gouvernement PAG. Le peuple tchabé n'est pas hostile aux idéaux du président Patrice Talon. Nous saisissons donc cette occasion pour dire au chef de l'État que les filles et fils tchabé sont déterminés à l'accompagner dans sa mission, au service de notre pays. Nous militerons de toutes nos forces pour que le Bénin et Savin en sortent gagnants.
À grand propos, se tient l'atelier d'élaboration du projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance des maladies pour le Bénin. Il est question d'identifier et de corriger les insuffisances du système en vigueur afin d'assurer aux populations une surveillance épidémiologique efficace. Ghislain Pouguet, Francis Fatan. Les récentes flambées de maladies d'Ebola virale, de la grippe aviaire H7N9 et de la fièvre Lassa ont focalisé l'attention des épidémiologistes, des experts en santé publique et les partenaires techniques et financiers sur la faiblesse en Afrique de l'Ouest des systèmes de santé et surtout celle des systèmes de surveillance épidémiologique. Un système de surveillance qui ne permet pas la notification et la prise en charge à temps des premiers cas. Cet état de choses constitue une grande menace. Il justifie la tenue de cet atelier. Les épisodes de fièvre hémorragique dans notre région ont conduit l'OAS, en collaboration avec la Banque mondiale, a nous offert une opportunité qui est de renforcer notre système de surveillance pour les maladies en général et particulièrement pour les épidémies. Ces assises visent donc à corriger les insuffisances du système à travers l'élaboration d'un document essentiel. J'accorde une grande importance à cet atelier qui devra permettre à notre pays de disposer du document du projet REDIS en adéquation avec les orientations générales et le contexte spécifique du Bénin. Le document en cours d'élaboration prendra en compte, entre autres, la surveillance et les systèmes d'information pour la détection et l'analyse précoce, le renforcement de la capacité de laboratoire, le renforcement des capacités institutionnelles de gestion, de coordination et de plaidoyer. À cet atelier, Denis Dakonseysao Kourpotin a porté la voix de Patrice Dallon, président de la République. Nous espérons aboutir à des recommandations fortes pour renforcer, améliorer et créer un système de surveillance de façon à éviter les épidémies et surtout faire en sorte que les communautés soient impliquées. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, est très sensible à cet engagement de la Banque mondiale et des partenaires techniques et financiers pour appuyer les réformes du système de santé au Bénin. Le document qui sortira de cet atelier sera soumis à la Banque mondiale pour financement. Je vous l'annonçais en titre, 24 enseignants sanctionnés par le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Borgou. Cette mesure vient en complément aux travaux entrepris dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, des apprentissages et leur évaluation. Le milieu scolaire doit être assaini pour améliorer ses rendements, a martelé Garba Ayouba. Un peu plus de détails avec Ronald Robinson et Cadnel Capot. L'alcoolisme et le métier ou la profession d'enseignant ne font pas bon ménage. Des enseignants qui tombent devant leurs apprenants, j'ai encore enregistré des informations d'enseignants qui sortent nuitamment, fréquentent des milieux moins indiqués tels que les bars, qui sortent avec leurs élèves dans des postures inconcevables. C'est le monde à l'envers, d'après le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Borgou. Des enseignants auteurs d'abus sexuels ou foulant aux pieds les inspections pédagogiques et autres principes déontologiques. Bref, des enseignants à l'antipode des modèles qu'ils sont censés être pourrissent le milieu scolaire. Des sanctions sont déjà tombées sur 24 d'entre eux dans le Borgou. Il y a eu 24 enseignants qui ont été sanctionnés objectivement et j'ai présenté et soutenu mon dossier devant les partenaires sociaux véritablement qui ont reconnu la justesse de ma procédure. La sanction, c'est le retrait systématique des travaux d'examen du BEPC. Il y a même un qui sera retiré des travaux d'examen et du BEPC et du baccalauréat. L'enseignant, il est éducateur et non corrupteur de la jeunesse. Si c'est des cas de grossesse ou de harcèlement, il y a d'abord la procédure judiciaire que peut déclencher la victime ou ses parents et la procédure administrative, c'est des sanctions graduelles contenues dans les tests, notamment l'arrêté 154 portant répression du harcèlement sexuel dans les établissements scolaires d'enseignement technique. Avoir zéro enseignant impliqué dans ces travers, souvent à la base du décrochage alarmant dans le Borgou, voilà le combat des autorités malgré la complicité coupable de certains parents d'élèves.
certains acceptent parce qu'ils veulent s'en débarrasser de leurs filles. Et c'est la méconnaissance des tests. Si nos parents aujourd'hui savent que si on engrosse une fille et que les sanctions sont là, donc vous allez voir que ça va cesser. Il importe de sensibiliser davantage les parents d'élèves et les victimes sur les voies de recours. Il faut aller signaler ça au directeur départemental ou bien à nous, présidents des bureaux APE. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de votre très aimable attention. Prochain rendez-vous de l'actualité ce soir à 20h avec Serge Ayaka. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous.